L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porto TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porto TV. Bonne écoute à vous. Lazare, tu es dans quoi? Ton Lazare ne mourra pas. Lazare, tu es dans quoi? Ton Lazare ne mourra pas. Tu peux nous entendre, Lazare, ouais, ton quoi? Salut, trois personnes exilées. Ton Lazare ne mourra pas. Donc, donnez pour Lazare, tu es dans quoi? Dis jamais ton Lazare ne mourra pas. Donc, voisin. Dis, mon voisin. Lazare, tu es dans quoi? Ton Lazare vivra. Et dans quoi? Il ne mourra pas. Amlo est dormi, il a faim. Il dort, va le réveiller bientôt. Minami, t'es du pain. Donnez-moi 35 minutes. Oh, voici ça pour un bio. Je vous le supplie, je le demande. Mio, t'es du pain. Je demande 30 minutes. Nous ne les babla, nous recandions ma vie. Ce que le diable a lié pendant 40 ans, je vais le délier. Besoin de prière. J'ai pas besoin de prière. Maintenant, c'est je vais prendre ma bouche pour le délier. Avec la parole de Dieu qui porte la vie. Beaucoup de gens au milieu de nous aujourd'hui. Ils étaient riches. Mais aujourd'hui, ils souffrent. Ils vendaient bien. Mais aujourd'hui, ils souffrent. L'année finie. Et ils souffrent. Tel que les choses étaient l'année passée, ce n'est pas la même chose cette année. Je veux te dire que ton Lazare ne mourra pas. Il vivra. Écoute-moi bien. Lazare a un ami. Et tiens, Roton d'Abedenede. Il s'est choisi un bon ami. Roton était un Roton. Quel est cet ami? Roton est donc père Jésus. Il a fait ami à Jésus. Et donc père Jésus. Quand il a fait ami à Jésus, l'Éliton. Sa pensée. Et ouais, le père Jésus a son adhère. Et que en étant avec Jésus, il ne serait pas malade. L'Éliton, ouais, non. Sa pensée est que. Abadé Bounayeton. Aucun problème ne sera à sa portion. Tommy Ganji. Écoute-moi bien. Si tu veux te faire un ami maintenant. Et tu te fais un bon ami. Dans les temps de souffrance. Quand on regarde derrière, on voit son ami. Il y a les hommes qui sont méchants, mais c'est l'homme qu'on voit toujours. L'homme est tortué, pourtant c'est l'homme qu'on voit. L'homme veut la mort des gens, mais dans ce monde, on trouve les hommes. L'homme détruit les choses, mais c'est encore un homme qui restaure ça. C'est l'homme qui met le feu, mais c'est aussi un homme qui le fait. Quand tu cries dans une maison, c'est un homme tu verras. Lazare s'est fait ami à Jésus. Et ils sont amis intimes. Quand Lazare était malade, regarde derrière, il n'a pas vu son ami. Il est malade jusqu'à mourir de la maladie. La maladie ne veut pas le tuer parce qu'il n'a pas vu son ami, il est mort. Écoute-moi bien. Cet ami que Lazare s'est fait est un ami qui n'abandonne pas dans la souffrance. Il marche lentement et agit brutalement. Aïe, 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 aïe. Tu as un sourire. Avant de crier. Et quoi il veut, tu as un sourire. Il a répondu avant que tu ne cries. Mais t'es non, Anton, mais il agit lentement. Ouais, mais t'es la vie, nous dit. Toi qui pleures maintenant. Mais t'as décidé tiens le titan, tourner en bleu bon. Tu dandines entre une décision, tu sais pas quoi choisir. Les copains m'ont rendu toi Jésus. Retourne-toi à ton ami Jésus. Et nous on t'aide maintenant. Il marche lentement, mais il vient. Et hey, ouais. On l'a appelé. Donc, quand toi et Lazare à son jawel. Disant que ton ami Jésus est malade. Quand toi et à son jawel. Ton ami est malade. Lazare à son jawel. Lazare est malade. Et à son jawel. Il est malade. À son content Jésus. Le premier jour Jésus n'est pas venu. À son égard Jésus. Le deuxième jour il n'est pas venu. À ton égard Jésus. Le troisième jour il n'est pas venu. À ton égard Jésus. Le quatrième jour il n'est pas venu. Quand toi ton coup. Jusqu'à ce que son ami ne meure d'abord. Maoujane de bloquer.
Quand Dieu veut faire quelque chose, il laisse la souffrance s'accélérer. Il laisse la situation perdurer. Et quand cela perdure, quand cela dure longtemps, en ce moment, il manifeste plus de choses. Celui qui veut d'enfant pendant un an, elle l'a eu. Et celui qui en désire 20 ans après, elle trouve. Vous êtes sage. Qui va témoigner plus que l'autre? Plus nous ancien. Plus la situation est difficile. Plus elle lion. Plus ça dure. Plus qu'on plus le témoignage est fort. C'est parce que tu vas faire un grand témoin que ça dure. Oh my God, my God, my God, my God. Dotomi. Écoute-moi. Oui, bien fi oui. Quand on rentre dans le lieu saint. Elle bien fi oui. On rentre dans le lieu saint. Wa huku de fin ben ndu pompe ria. Il y a une malle là qu'on ne mange jamais. Mais de non donwa. Personne ne goûte. Sunwa ino saint homme. C'est interdit. De David go sa wan gbeyo. Mais quand David a quitté la guerre. Vous verrez si. Ils avaient faim. Et zen ndu ba lu. Ils ont pris le pain et ont mais mangé. Bleu, moi, hein? On ne le fait pas. Même on le fait pas. Mais Dieu a permis qu'il le fasse. Certaines sont Dieu permet que cela arrive. Pour donner gloire à son nom. Lazare est en quoi? Tant Lazare ne mourra pas. Nous Lazare quoi? Si Lazare mourait. Ben dis-yo. À l'enterre mais bah fond, hein? Et il ne se réveillait pas. Nous y avons nous mati nos vies. C'est une honte pour mal ta sœur. C'est une honte. Nous l'invitons la vie. Pour ses sœurs. Son ami qui ressuscite les morts, il est là, non? Mais pourquoi lui il est mort? Et on l'a enterré, son ami n'est même pas. Mais nous l'avons de mon flin. Quelqu'un a l'habitude de dire quelque chose que je me rappelle. Médecin après la mort. Il a dit médecin après la mort. Et tu es tôt. On l'a laissé. Kaka ben koubedi. Et il est mort l'enterré. Quand on l'a enterré, et nous quoi? Il ne devait pas mourir. Jésus, a roté, Jésus est venu quand il dit. Minaka. Nous allons lire. Jean 11, 11. Jean 11, le verset 11. Après ces paroles, il leur dit. Lazare, notre ami, dort. Lazare, mais je vais le réveiller. À mon enfant. Amen. Hey. Il a dit notre ami. Il n'a pas dit notre ennemi. C'est Jésus qui parle. Il dit notre ami dort. La vision de Dieu diffère de la vision de l'homme. Quand je vous choque, combien veulent que je les choque, balancez les mains. Baisse ta main. La Bible dit que le chrétien ne doit pas se marier à un panier. C'est ça, non? Vous savez que le chrétien s'est marié à un panier, cela a marché. Ai-je menti? Vous n'avez jamais vu ça? Malgré que la Bible a défendu, pourtant certains l'ont fait. J'ai vu des gens dans la Bible qui est prophète. Dieu lui a demandé de se marier à une prostituée. Alors que la Bible défend de se marier à une prostituée. C'est pourquoi je le dis voici. Les voies de Dieu sont tortueuses. La grande chose à rechercher. Soyez amis avec Jésus. Autre chose, écoute. Mais écoute, Bible dit que Jésus font. Ce n'est pas tous ceux qui sont morts dans la vie que Jésus a ressuscité. Pourquoi mais là, Dieu est devant Lazare font. Pourquoi il a laissé les autres, c'est Lazare, il a ressuscité. Hein? Parce que c'est son ami. Jésus non. Jésus a dit. Dion. Maintenant. Mini ami non, était content. Appelez-moi ami. Car c'est à son ami on dit tous ses secrets. Dieu aime deux choses dans la Bible. Nous nous comptons. Première chose. Content. Ami. Oui, deuxième chose. Toi, la paternité. Nous ces deux choses. Nous Dieu ne bafoue pas ça. Toi, la paternité. Podo, oh, content, po. Et l'amitié. Content. L'amitié. Content. L'amitié. Nous quand on garde ces deux choses.
Un moment des affaires meurt, la vie y entrera. Il y a beaucoup de gens, leurs affaires ont chuté et pensent qu'elle est morte. Ce n'est pas mort. Ton ami Jésus va parler, reviendra à la vie. A-t-il Jésus notre ami? C'est ça qui est important. Je ne parle pas d'église. Qu'est-ce que l'église est? C'est la mort. C'est la reine. C'est les paroles mensongères. Il n'y a aucune bonne chose à l'église. La seule chose qu'il y a dans l'église qui porte la vie, c'est notre ami Jésus. Hein? Oui. Donne à toi la vérité sans mélange. Dis à ton voisin vérité sans mélange. L'église va te tuer. Ben envoie vie. Et ils vont encore pleurer. Mais non, sec sans mélange. Et ils vont dire sec sans mélange. Je ne me laisserai pas, hein. Pali. Jamais. Et ouais, un carton. Hein? Oui. Je dis que jamais. Vous ne savez pas que l'église tue? Hein? Hein? Au djelo. Nino. Si. Amado Jésus ni content toi ya. Tu n'as pas Jésus comme ton ami. Ben tu es dans flou. Ta vie va errer. Nous quelque quoi? Abraham l'ont donné vers deux quoi si. Beaucoup de gens ne sont pas morts, sont en train de dormir. On a pensé que ces choses sont mortes. Ouais, depuis blé avec blé ya. Ce qui se gâte n'est pas gâté. Et là, mon temps, ben enfin. Ça dort, tu vas le réveiller. Nous en enfouir dans nous toi-même. Ce qui va le réveiller dans ta bouche. Eh mais. Oui. C'est ça que nous ne savons pas. Les choses d'homme, on doit les réveiller simplement. C'est quelle maladie? C'est que ton corps dort. Parle-lui. Parle à ton utérus. Parle à ta vie. Il y a beaucoup de femmes. Mais la femme de ma destinée est là. Il y a beaucoup d'hommes. Mais l'homme de ma destinée est là. Parle. Où es-tu? Tu dors? Réveille-toi. À un moment, on a créé une situation. Dieu va créer une situation. Il y aura un embouteillage quelque part. Les policiers et les policiers viendront faire le chemin, tu verras la personne. On a créé un embouteillage. Dieu va créer un embouteillage. À cause de ton bien. Pourquoi tu puisses rentrer dans ta gloire? Que se passe-t-il? Parle. Si tu ne comptes plus les billets de 10 000 francs. Donne-moi. Dis-lui de venir. Jésus, Jésus mon ami. Tu m'as dit de parler, la chose va se réveiller. Parle, la chose se réveillera. Lazare dort. Les païens disent qu'il est mort, mais Dieu lui dit qu'il dort. Il a parlé, il s'est réveillé. Quand vous réveillez, parlez. Le matin, dit le lion s'est levé. Et tu vas rugir. Moi, le lion, je me suis levé. Quand tu dis ça, tu rugis dans une forêt. Change ton visage. C'est une délivrance. J'ai caché les yeux sur le méchant. Et je lui ordonne. Jésus aussi agit pareil. À des moments donnés, certaines choses dont tu vas écaquer en disant lève-toi, réveille-toi vite. C'est comme la fille qui était morte. Bon, notre Canada, il a vite coup. Sa maman au Canada a dit que son enfant est mort. De le seul enfant qu'elle avait. Ben c'est de études. Elle l'a envoyé faire les études. Au Canada. Au Canada. Bon, vie coup. La fille est morte. Il l'opération. On l'a opéré. Bon, de myomes aussi retombé. On a enlevé les myomes de son ventre. Ben ça fond. Hein. Et elle n'est plus réveillée. Médecin est bleu pi, ben ça fond. Les médecins ont tout fait, elle n'est plus revenue. Il n'y a pas ça. Elle n'est plus revenue. Il n'y a pas de goût de wa. Devant, derrière, elle n'est plus revenue. Alors go et bleu pi. Ils ont fait tout le possible. Ils ont récité notre Père qui est au ciel sans succès. Ils ont récité les chapelets. Ils ont cité devant, derrière, impossible. Et les plans ont commencé. Mais blanc appelle vidéo, nous n'entend. On appelle vidéo à sa mère. On entend décrocher. Sa maman a décroché. Ton enfant n'existe plus. Il dit mon enfant n'est plus.
C'est faux, qu'est-ce qu'elle a eu? Mais la bleue opération. On a dit qu'on l'a opéré. Elle a dit une parole. Et donc, elle a dit. Prisca, c'est quoi? Prisca ne peut pas mourir. Parce que Dieu et moi n'a pas conclu ça avant qu'elle voyage. Mais un contrat de mes signes. Ce n'est pas le contrat que nous avons signé. Et nous raison. Pour cela, Jésus rototé. Jésus mon ami. Donc pas vite mais. Mène la vie de mon enfant. Donc pas mais. Mets la vie en elle. Donc, bah, mets la vie dedans. Donc, bah, mets la vie en elle. Oh, non, médecin, là, quoi, oh, ah. Elle a dit au médecin, regardez là, elle est déjà là. Yo, voilà, non, y a rien. Les blancs ont dit, mais il y a mais rien. Non, non, elle, a toi, elle, a dit, non, non, elle dort, couvrez-la, elle sortez là. Mais toi, c'est quoi, mais, sortez là de là, elle dort. Mais coucoui, elle enfant. Réveillez-la, elle va se réveiller. Nous bon, dedans, tout en. Quand on l'a touchée, Prisca a commencé par se mouvoir. Elle a commencé par se mouvoir. Elle se mouvait. Elle se mouvait. Moment intense de prière. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Jésus n'a le blodo. Nous devons régler tout présent. Jésus n'a le blodo. Aïe. Tommy Ganji. Écoute-moi bien. Le baron blême, ouais. Le diable nous trompe pas. Dis-moi, toi, c'est quoi? Ton état ne peut pas mourir. À quoi quand toi, c'est quoi? Tes finances ne peuvent pas mourir. À toi, c'est quoi? Ton commerce ne peut pas mourir. À toi, c'est quoi? Ton corps ne peut pas mourir. À mon temps, elle est foin. Il doit réveiller. À mon temps, elle est foin. Il doit réveiller. À mon temps, elle est foin. Il doit réveiller. À mon temps, elle est foin. Il doit réveiller. Mais il peut m'y d'amen. Quelqu'un répond amen. Il peut m'y d'amen. Répond amen. Dis à ton voisin cette chose là dort. Ce chien là dort qui se réveille. Réveille-le, réveille-le. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Tout ce qui dort. Jusqu'à ce que l'année finisse. Sur le plan financier. Sur le plan d'appartement. Sur le plan de voyage. Sur le plan de l'avancement. Réveille-le.
ce qui parle de ton histoire, de ta vie, de ta gloire, de ton commerce. Maintenant, réveille-le, 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 réveille-le
Maintenant, je l'injecte. Je l'injecte. Je l'injecte. Rekete. Masakata. Sudoro babo. Ripa sudere babo. Rakaya babo. Rekete babo. Rema sudere babo. Sudoro babo. Rakanda masere. Rekete babo. Rakaya babo. Rekete babo. Rema sudere. Okure. Seigneur Jésus. Voilà. Injecte-le. Voilà. Combat. Voilà. Combat. Voilà. Combat. Voilà. Combat. Voilà. Cet esprit de Dieu. Voilà. Combat. Voilà. Combat ma faveur. Voilà. Combat ma faveur. Le dans cette nuit. Le dans cette nuit. Voilà. Combat ma faveur. Voilà. Combat ma faveur. Voilà. Combat ma faveur. À cette heure debout. Tout sorcier. Qui va dans le couvent de la sorcellerie? Et il est amené de l'injection depuis là-bas. Aujourd'hui, je prends l'injection, je l'injecte. Jésus-Christ de Nazareth, ton Saint commun. D'abord, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici comment tu feras cette prière. N'importe où tu es pris. Cette prière, on le fait en même temps. En même temps. Si tu pries, tu verras les signes en même temps. Tu vas fermer tes yeux et battre tes mains. Cette année. Celui que Dieu a programmé de mon père qui doit mourir, pourquoi je sois riche? Pourquoi j'ai la paix? Pourquoi j'appelle Mash? Et jusqu'à présent, il n'est pas encore mort. Avec ma prière, qu'il meure. Lève tes mains. Lève tes mains. L'onction qui tue les sorciers est dans ta main. Même fille de Boudiade. N'importe où tu es. Ferme tes yeux, lève tes mains. Le Seigneur va opérer dans vos vies. Ceux qu'on a chargé leur dos, ils sont venus ici. Mais ceux qu'on a mis le cercueil sur leur tête. Mais ceux qu'on a lié l'homme avec le lien de la mort. Mais ceux qu'on a mis le serpent dans leur vie. Mais ceux qu'on a mis le mari de l'eau dans leur vie. Jordan a cessé de sortir de leur vie. Voilà. Voilà. Jordan au nom de Jésus. Rakaya makinobo baba sakata. Le koko bakata. Mbesi mende toi et ton de l'eau et oulé. Je commence par ce que le père a enlevé quelque chose dans leur vie. Jordan. Nde toi toi dessine tout toi. Ce que ton père a enlevé de ta vie. Jordan, je te retrouve cela maintenant au nom de Jésus. Mais nous comptons. Première personne. Mais go, deuxième personne. Mais attends go, troisième personne. Et, le Saint de Dieu, prends-les des chaises. Prends-les des chaises. Prends-les des chaises. Prends-les. Prends-les des chaises. Mais de toi et ton dénoué est où là? Ce que le père enlevait quelque chose dans leur vie. Mais des places sont nous attendons même à tout en l'air. On les a amenés chez les petites choses sans qu'ils nous rendent compte. Bah, fille, bien, et on a volé leur destinée. On a volé leur gloire. Et pour être à ton autre gloire. Ça laisse personne dans le peuple. Enfin, Mauto, et ya. Puissant de Dessayer. Bien ton bambou de Eton. Rentre dans le peuple solaire. De Eton, de Eton, de Eton, de Eton, de Eton, de Eton. Solaire.
Voilà. 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 Alors, m'autant l'idée de toi. La main de Dieu te sort. Mais des boules de notre temps, tout le temps. Quiconque sa main a enlevé dans ta vie. On est prêt, nous quand Jésus t'emmène. Je ordonne au nom de Jésus. Mon mère est là-bas, dis quoi, ton nom est en salope. Je vois certains, l'œil de l'Esprit se trouve dans la main de leur mère. On est prêt, nous pouvons même autant. Je ordonne à l'Esprit de Dieu. C'est cette femme. Et il y a, et il y a dit quoi, ton Jésus s'en colle. Elle ressemble l'œil de l'Esprit au nom de Jésus. Aine. Voilà ça. Aine. Voilà. Aine. Voilà. Aine. Voilà. Aine. Voilà. Où y a dit quoi, toi, sinon toi, si. Je te retire le trait de ton chien de ta mère. 1, 2, 3, il y a dit quoi, Dieu, toi, Jésus. Reçois-le. Nom de Jésus. Aine-y. Reçois-le. 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 Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà ça. Rends-moi autant. Puissant de Dieu. Zéyon Wenewa. Prends cette femme. De notre zé a dit qu'on a c'est pas dit. Que sa mère a mis son toit dans le couvent des sorciers. Donc quand j'ai dit, elle me vient. Et jusqu'à présent, elle n'a pas d'enfant. M'de que le fils est brûlé de Rome. J'ordonne que n'importe où elle est. M'de que Jésus t'en met. J'ordonne au nom de Jésus. Rends-moi autant et assez. Puissant de Dieu, prends là. Aine. Voilà. Aine. Voilà. Zéwa. Prends là. 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 Mais qu'on a mis de l'argent préparé dans leurs affaires. J'entends maintenant. Reçois l'onction qui vend. Reçois l'onction de faveur. Voilà, reçois. 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 La bokaba la basakata. Le kobaka shikata. Misa mi to saga. Levez vos mains. Fenu agawa no gosi. La grâce vient d'en haut. Amisisa agawa no gosi. L'onction vient d'en haut. Ndebe. Jordan. Amisisa de ana iti yo. L'onction tu vas recevoir maintenant. Et là pour fi bima pour patan biji. Sera partout dans toutes les villes. Ba mi gosi fi yo. Et si vous partez d'ici, Mendebu. Toute personne. Le kumitona ku jenko. S'il passe à votre bord, il mourra avant vous. Ene. Ya misisa de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois. Ene. Reçois. Ça descend. Quiconque tombe sur lui, brise-le. Reçois le manteau au nom de Jésus. Voilà. 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 Tends tes mains vers moi. On écoute avec moi. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Alors, d'adresse à domino. La main que tu as tendue vers moi. Je déclare sur cette main depuis l'hôtel jusque dans le peuple partout jusque dans la chapelle 2. Je prie. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Je déclare n'importe où tu es et tu me vois. Je déclare sur ta vie. Tu vas compter de 1 à 3. L'onction de recette descend sur toi. 1 2 2 3 Ene. Voilà. 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 Ene. 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 Voilà. 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 Reçois. 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 Zaku koko kata kata. Le kete koko kata kara. Rakata kata. Et y a Yami Satan. Reçois l'onction de richesse. Et Satan. Voilà, reçois. Satan, 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 Satan. 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 Reçois. 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 Beaucoup sont mieux debout. Leurs biens sont dans l'œuvre, mais ils ne savent pas l'utiliser. Celui qui conduit la voiture de ta vie, il coûte dans 48 heures. Il met dans 48 heures. La coco basa kata. Celui qui conduit la voiture de ta vie.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Jordan. Dancing big boy, debout. Tout esprit de serpent. Dedo et tête de chapelle, wego. Qui a mis lieu de dans la chapelle 2. Deba et debito, si ton gouvernement bleu. Sortez du peuple. Ene. Voilà. Ene. Voilà. Tossez ton gouvernement. Sors du peuple. 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 Mieux et dis-toi. Fais-tu toi. 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 Je vois une femme. Je vois une femme maintenant. On a jeté son étoile dans un puits. Elle est où? L'étoile qu'on a jetée dans un puits. Jordan, sors du puits. Hey, sors. My God. Kabo shaka kata brokata. Le kete brokata. C'est la puissance de l'étoile du puits. Voilà. Aine. Voilà. Aine. Voilà. Aine. Voilà. Aine. Voilà. Aine. Voilà. Souviens-toi. Quand l'étoile sort. Souviens-toi. 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 Souviens-toi. L'étoile sort. Souviens-toi. L'étoile sort. Bravo Chakataka. Le coca, souvenez-vous une tête de ton mélange. Les étoiles jetées dans le puits. Et y habitons une tête de ton mélange. Sortez des puits. Elle est détente, 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 elle est détente. Je la sors. Souviens-toi de ton mélange. Quand les étoiles sortent du puits. Kabo shabrakata, le kobakata. Alors ganga mauton. La main puissante de Dieu. Libère de ton mélange. Dans le puits et sort son étoile. Elle est détente. Nous avons prié au nom de Jésus. Moment intense de prière. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Jésus n'a les blodo. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Je me nomme Ambroise Adouekono. Je bénis beaucoup la vie de l'homme de Dieu que Dieu a établi dans ce pays Bénin, plus précisément à PK 14. Je dis merci à Dieu qui nous a envoyé ce prophète. Je suis très ravi. Pourquoi? Parce que le thème dit quoi? Lazare sort. L'ennemi avait enterré beaucoup de choses dans nos vies. Il avait enterré beaucoup de gloires que Dieu nous a données. Il a enterré beaucoup d'étoiles que Dieu nous a données avant. Mais aujourd'hui, par exemple, ce soir, au cours du culte, j'étais rempli de joie. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, dans son ministère, il a déclaré, il a ouvert sa bouche prophétique, il a ordonné, il a dit, toute étoile que l'ennemi a déjà envoyée dans n'importe quel puits, que cela sorte maintenant.
et qu'il veut voir les manifestations. J'étais très ravi. J'étais très ravi en voyant les manifestations de la parole prophétique de Dieu comme ça. Je suis très ravi et je suis très content. Cela me prouve encore une fois encore que le Saint-Esprit est ici et c'est effectivement sec, sans mélange. Je dis que c'est effectivement sec, sans mélange. Toi qui es encore chez toi, je ne sais pas dans quel village tu es, je ne sais pas dans quelle ville tu es, mais je t'appelle ce soir, je te lance cette annonce que c'est demain qui est troisième jour. Jésus est mort et ton troisième jour, il est ressuscité. Demain, ça va chauffer. Toi qui me regardes actuellement, viens vite, cours. Si tu es dans n'importe quelle ville, je ne sais pas si tu es à Malanville, je ne sais pas si tu es à Parakou, je ne sais là où tu es, mais je t'appelle actuellement, je te dis de venir voir, de venir goûter l'onction de mon père François Xavier Alokwe. Mon Dieu va te bénir, mon Dieu va te délivrer et il va te guérir si tu viens demain. Mathias Bessan. Je remercie l'Éternel Dieu. Do amisisaton et jodo et itomiton François Xavier Alokwe sin gbe mi bo non do donu mi sin ta. Pour l'onction qu'il a mis sur la vie de notre père prophète François Xavier Alokwe, il nous bénit. On egbe sin azan. Donc en ce jour, et Lazare sort. Le thème c'est Lazare sort. Bon, il dit Lazare tu en fond egbe. Je sais que mon Lazare sera ressuscité aujourd'hui. Bon, Lazare miton. Et notre Lazare. Et ouais, tagba miton là. Ce sont nos problèmes. Problèmes miton là. Nos problèmes. Ouais, il est roulant dans midi le rien. On nous dit mais qu'on a une dagbe de gbere wo. Ceux qui ont écrit sur nous dans nos familles qu'on ne sera jamais prospère. Nos bénédictions qu'ils ont mis dans les irokos. Nos biens qu'ils ont enterrés. Qu'ils ont mis auprès d'un fétiche. Avec l'onction de la prière. Toutes ces choses sont sorties et moi j'ai reçu ma part. La joie que j'ai reçue ici aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu cette joie dans ce mois. Cette joie, c'est une grande joie. Je prie chacun de nous. Si nous désirons voir Dieu, que nous désirons voir la face de Dieu de tout notre cœur. Si tu es l'ami de Jésus, tu ne dois pas rester dans ta maison. Tu dois rechercher Jésus. Tu dois rechercher Dieu. Celui qui va entrer dans ta vie et tes problèmes vont disparaître et tu auras la paix. Je te dis maintenant. Lève-toi et viens rechercher ton Dieu. Ma joie est grande et je suis tellement content. Je remercie Dieu pour le peuple de Dieu et je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Avant, je disais que c'était la magie qu'on faisait ici. Je suivais la télévision. Et j'ai dit dans ce programme, je viendrai voir si c'est la vérité il y a. J'étais venu hier. Et avant que je ne vienne ici aujourd'hui, j'ai dit si vraiment Lazare est ressuscité dans les morts, que l'homme de Dieu me localise dans la prophétie. Et l'homme de Dieu m'a réellement localisé. Et c'est là que j'ai su qu'il y a le Dieu vrai ici. J'invite massivement le peuple de Dieu de venir là, le Dieu vivant ici. Toute maladie dans laquelle que tu es, tout problème que tu as, viens ici, tu auras la solution. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Monsieur Dodou Honoré. J'ai vu que le Saint-Esprit a commencé quelque chose hier et il a commencé par l'achever aujourd'hui et je crois que demain il va en finir avec. Moi, quand je suis venu ici, je sais comment je suis venu et je sais comment je suis en train de partir. Et je ne peux qu'inviter tous les Béninois à l'intérieur, à l'extérieur ou bien celui qui n'est même pas Béninois parce que Dieu n'a pas de nationalité, de venir ici goûter un peu ce qui se passe ici.
Tu as opéré un grand miracle dans ma vie. Les grandes choses que Dieu a faites dans ma vie, je ne peux pas tout citer. Quand je dormais, je faisais un son dans lequel je voyais les gens qui me pourchassaient. Mais depuis que je suis venu ici, l'homme de Dieu m'a localisé. Et il a dit que c'est le serpent familial qui me combat. Et à travers lui, Dieu a fait une grande grâce dans ma vie. Cela m'a réjoui tellement. Je suis tellement contente, je ne sais pas comment le dire. Les téléspectateurs de Port TV, je leur dis de venir massivement demain. Peu importe comment ton joug est lourd, Dieu qui me l'a fait, il te le fera également. Venez massivement.